L'objectif du projet, c'est d'aider à la lutte contre le décrochage scolaire en proposant un tutorat par les pairs. C'est-à-dire que les plus âgés, donc on travaille avec des collégiennes, 32 collégiennes tout au long de l'année, et les plus âgés, donc les 5e, 4e et 3e, sont tutrices des plus jeunes, donc des 6e. La sélection a été faite sous le principe du volontariat, puisque c'est un projet qui est à part, j'allais dire, puisqu'il n'y a pas d'obligation à suivre ce projet. Donc on a proposé, donc déjà ce sont toutes des jeunes qui sont au collège Gérard Philippe, donc le collège partenaire du Paris Basket 18, et qui sont toutes basketteuses. Donc elles ont déjà des points communs, et c'est à partir de ces points communs qu'on souhaite les mobiliser. Donc on a proposé à toutes les élèves de 5e, enfin un certain nombre d'élèves de 5e, 4e, 3e de devenir tutrices. Et également les 6e, on leur a proposé, toutes les filles à qui on a proposé de devenir tutrices et tutorées ont accepté ce challenge, j'allais dire, et de participer à ce projet. Cette action permet également de montrer aux jeunes filles qui sont au départ venues au collège Gérard Philippe pour la section sportive basket, que nous accordons une importance particulière aux études. L'idée étant qu'elles réussissent aussi bien au basket que dans leur scolarité. Et donc on souhaite vraiment les suivre dans ce cadre-là. Et c'est une des actions qui nous permet de le faire, en plus de tout ce qui est accompagnement à la scolarité qui est mis en place tout au long de l'année. Le PB18 a toujours fonctionné avec le collège Gérard Philippe. Et là, c'est un projet autour de la réussite scolaire. Et donc il est important pour nous d'avoir un partenaire comme le collège Gérard Philippe et d'avoir l'appui également de professeurs du collège. Donc on a souhaité impliquer deux professeurs d'EPS du collège Gérard Philippe qui travaillent avec nous tout au long du projet, qui permettent un suivi du comportement des élèves à l'école, qui permettent un suivi de leurs notes. Au sein du PB18, on a souhaité avoir un intervenant principal qui est Moussa Ndiaye, qui a pour rôle, j'allais dire, d'être médiateur tout au long du projet pour assurer le bon fonctionnement et assurer la présence aussi des filles aux différentes interventions qu'on leur propose, aux différents ateliers, et également moi-même qui coordonne l'ensemble du projet pour recruter les intervenants spécialistes, pour mettre en place tous les ateliers en termes d'horaire, pour vérifier que tout est bien suivi par rapport à ce qu'on a prévu initialement. Le fait d'avoir mélangé des filles qui ne se connaissent pas forcément et bien pour le projet, et c'est tout aussi bénéfique pour le club, car la cohésion qu'on va retrouver par rapport au projet est très bénéfique d'un point de vue scolaire et des comportements aussi qui vont forcément changer et s'améliorer, et d'où aussi le mélange des groupes pour aussi voir les filles qui arrivent à se canaliser et pouvoir détecter un peu l'impact qu'elles ont envers les filles qui n'arrivent pas forcément à se gérer toutes seules. Les plus petites vont normalement s'améliorer vu qu'elles auront les grandes comme exemple et comme guide. C'est surtout ça le plus important. Et les grandes forcément vont devoir se montrer très exemplaires. Et encore très exemplaires, c'est un grand mot, mais il y aura forcément de l'amélioration dans le comportement vu qu'elles vont devoir montrer l'exemple et guider les petites dans le bon chemin. Mon but, c'est d'aider les tutrices à développer des compétences relationnelles, des compétences sociales qu'elles puissent transmettre elles aussi aux tutorés. Alors, chez les tutrices, j'ai pu détecter un manque de confiance en elles au départ, parce qu'il avait déjà été fait auparavant, c'était des tutorats scolaires très ponctuels sur des mathématiques, par exemple une notion de mathématiques ou sur du sport. Ici, on est sur le quotidien. Donc, le Paris Basket peut se permettre de le faire parce qu'elle suit, c'est une association qui suit les jeunes au quotidien. La notoriété du club fait qu'elles sont motivées. Elles sont motivées par les anciennes qui ont bien réussi. Forcément, ça les motive. Et tout l'avantage de ce travail, c'est que si on aide les tutrices en amont et qu'elles développent ces qualités elles-mêmes, elles sont à même d'aider les tutorés, les sixièmes. Et ça, en adoptant un nouveau rôle, celui d'expert, et qui les rend responsables, qui les responsabilise. Donc c'est vraiment comme ça que doit fonctionner le tutorat. J'espère que ça va bien fonctionner. En tant que tutrice, de tutrice, ça va pas de montrer l'exemple. Il faut rigoler avec elle, mais pas trop dans l'excès. Pas que
apprennent trop vite la confiance. En fait, il faut mettre le bon temps. Faut qu'elle ait le bon moment. Faut être gentil avec elle, leur dire ce qu'elles doivent faire. Il ne faut pas qu'elles dépassent les limites parce qu'après, il y a un peu de respect. Les tutorés, on les connaît déjà, donc après, à force, on s'habitue et après, c'est facile. En fait, ce que je comprends pas dans le projet, c'est qu'il y a des gens qui gagnent des points, il y en a qui perdent des points, etc. Je comprends quand tu gagnes pas des points et quand tu gagnes des points, parce que ça dépend de ton comportement. En fait, c'est ça, ce projet sera ça, ne pas négliger les études dans le basket. Les nouveaux sixièmes de cette année, et ben c'est une manière de qu'ils s'intègrent au mieux dans la section sportive et à l'école. Vis-à-vis de moi, ça m'oblige à rester carré, parce que sinon, les sixièmes, elles voient que je fais des bêtises ou des choses comme ça, elles vont se dire non mais qu'est-ce qu'elle lui prend, c'est à lui qu'elle donne des leçons alors qu'elle aussi elle les applique pas. On est toujours derrière leur dos, donc ce serait bien de faire des activités avec eux pour leur montrer qu'on n'est pas trop comme je sais pas, leurs parents, des choses comme ça. Ce serait bien de faire des activités avec eux pour leur montrer qu'on n'est pas que là pour leur crier dessus ou leur reprocher des choses. Il faut qu'elles s'amusent parce que après, c'est pas normal. Je trouve que c'est bien d'avoir des grandes actions et poser des questions. On a des responsabilités parce que si les petites elles font n'importe quoi, bah, ce sera un peu à cause de nous, quoi. Enfin, pas à cause de nous, mais d'une part, ça sera à cause de nous parce qu'on n'aura pas montré ce qu'il fallait faire. Parce que normalement, si nous, on doit montrer l'exemple et si on voit qu'on a une mauvaise note et elle a une bonne note, c'est sûr que peut-être la prochaine fois, elles ne vont pas nous regarder ou dans les prochains bulletins, elles vont se dire vu que je fais n'importe quoi, vu que Steph fait n'importe quoi ou Adama, moi aussi je vais faire n'importe quoi. C'est pas compliqué, mais c'est difficile à les gérer parce que des fois, c'est une grande responsabilité. On doit être responsable d'elles, mais sinon ça va, c'est cool parce qu'on parle plus ensemble parce que c'est des filles, des fois, on se calme pas trop dans la cour. Ouais, dans la cour, mais quand on leur parle, si par exemple, il y a leur prof ou la CPE qui disent qu'on a fait qu'ils ont fait n'importe quoi, comme la dernière fois, avec Zita, je t'ai parlé et ça s'est fait beaucoup. Alors j'espère. Si on a un problème, ben, on peut aller voir. Ouais. Toi, j'ai vu ta boule. J'ai un peu confiance en elle parce que. Pourquoi un peu J'ai confiance en elle parce que si on a des problèmes, on peut venir les en parler. Bon, le tuto, c'est il est facile. Il est facile à gérer. Moi, pour moi, c'est un peu dur parce que si la tutorée ne t'écoute pas et que je ne comprends pas, en fait, ça ne pourra pas marcher. Bah, après, il faut essayer de se faire comprendre aussi. C'est facile parce que je ne fais pas de bêtises. Tutrices participent à des journées sport adaptées où on propose une initiation sportive à des jeunes personnes souffrant de handicap mental et ces journées sont également en partenariat avec une école élémentaire, donc des élèves de CM1, CM2 de Jean-François Lépine qui est situé dans le quartier de la Goutte d'Or avec qui on travaille sur d'autres actions basket. Les tutrices ont pour rôle d'intervenir auprès de ces jeunes et d'encadrer les activités avec bien entendu des éducateurs sportifs spécialisés. L'idée étant de les sensibiliser au handicap et de leur permettre de découvrir un milieu qu'elles ne connaissaient que trop peu. Elles sont présentées comme des joueuses de basket issues de la section sportive du Collège Gérard-Philippe, donc s'entraînant tous les jours. Donc c'est déjà pour les plus petits une réussite finalement, puisqu'il y a une grosse sélection pour qu'elles intègrent cette structure. Elles sont perçues par ces jeunes comme des exemples et on sent une vraie admiration de la part des plus petits vis-à-vis de ces jeunes. Je pense que c'est bien de mélanger des enfants avec un handicap et des enfants normaux. Ils ne voient pas la différence de leur handicap et qu'un enfant qui n'a rien. J'ai eu ce matin par exemple des enfants, genre, ils sont durs à gérer parce qu'ils ne veulent pas faire, ou ils sont fatigués, ou ils ne veulent pas nous écouter.
ou ils veulent en faire qu'à sa tête. Moi, je dirais que entre gérer un enfant sans handicap et avec handicap, je trouve que c'est un peu la même manière. Ça dépend de comment ils s'adaptent. Parce qu'il y en a sans handicap, il peut te rendre fou. Tu lui dis, je vais te punir, il va dire, bah vas-y. Mais en mode, c'est pas grave. Alors que celui qui a un handicap, il va comprendre. Il est encore là. Je t'ai vu. Dans le cadre du projet, on a souhaité que les tutrices puissent découvrir des lieux et des métiers qu'elles ne connaissent finalement que très peu, comme le métier d'éducateur spécialisé, comme le métier d'instituteur, d'ATSEM, d'éducateur sportif. Et donc, dans le cadre des partenariats qu'on a avec d'autres structures, elles seront amenées à observer durant deux demi-journées ces métiers au sein des structures.